Yo les gens, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur The Last of Us Part 2. On s'est arrêté ici exactement. J'ai pas beaucoup de temps devant moi, j'ai à peine 1 heure, donc on va essayer de rusher un peu le truc, t'as vu. Non, on va essayer de bien faire les choses, mais on va essayer de retrouver Yara et Lev. Et pour les sortir du pétrin, parce que là ils sont avec les Scars, hein, ils sont aux alentours, donc on va essayer d'aller les sauver. Je garde un oeil sur le timer parce que. J'ai pas le temps, j'ai pas le temps. J'ai 1 heure, même pas. Donc là, on était déjà passé. Putain, faut que je refasse tout le chemin inverse là. Donc on les a entendus siffler. Je suis sûr de les avoir vus. C'était l'infidèle. Je sais qu'il est vivant. Cet enfant est une abomination. Est-ce qu'il fallait que certains enfants sont maudits dès la naissance? Ouais, je sais pas si c'est le bon plan ce que je fais là. Quelque chose? Non, c'était rien. Bien, quand je l'ai loupé. Allez, on fait pas de bruit, c'est bon. C'est un bug ou c'est quoi? C'est un bug, non? Ok. J'ai pas compris. C'est un bug. Tant mieux. Mais ça, on a déjà fouillé en fait. Il devrait plus rien avoir. Quand on est venu. Ok. Mais du coup, il m'a pas touché, ça a pas compté. Ouais, je sais pas, c'était un bug. Je me souviens pas si j'ai ramassé des choses là, du coup. Qu'est-ce qu'on peut faire de l'arbalète? À part plusieurs carreaux, peut-être. Non. Ajouter une poignée tactique pour gagner en stabilité. Non, on s'en fout. Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? Le pompe encore, peut-être. Ça c'est fait, ça c'est fait. Stabilité, allez. Yes, trophée obtenu, mécanicienne. Eh ouais, je suis une mécanicienne, qu'est-ce qui se passe? Apparemment, il fallait améliorer une arme à fond pour avoir le trophée. Let's go. Ouais, il est beau là. Ouais, il est beau mon fusil. Quand tu vises. Réticule, j'ai l'impression qu'il est un peu plus petit, non? Je sais pas, c'est une impression. Ouais, je me souviens. Je me souviens plus trop.
Ah, je suis venu de là, ouais, c'est vrai. Bon, à mon avis, ils sont plus là. Hein. Oh, merde. Petit, vous êtes encore là? Non. Faites pas un pas de plus. C'est moi. La bouteille de coca. Désolé. Comment elle va? Faut couper le bras. Faut couper. Suis-moi. Qu'est-ce que tu fais? Il lui reste une solution. Et là, va le découvrir mort, non? Hé, hey, Owen, debout! Voilà. C'est des scars? J'ai besoin de matos pour la soigner. Allez, allez! Baisse ton arc, c'est bon! Non, baisse ton arc! Tais-toi! Laisse, baisse ton arc! Tu fous, lui! Alice! Lève, baisse ton arc. Tout va bien. Abby, qui sont ces gosses? Ils m'ont sauvé la vie. Tu pourras l'examiner. Pas bouger, Alice. Elle s'appelle Ira. Qu'est-ce qui a fait ça? Un marteau. C'était pas moi. Faut l'allonger. Tu sens quelque chose? Yara. Non. Je voulais le nettoyer et le remettre. L'os est en miettes. Il faut couper. Elle a le syndrome des loges. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut amputer. Yara est un soldat, elle a besoin de son bras. Si on fait rien, il va se gangrener. Je veux juste que la douleur s'arrête. Pitié. Qu'est-ce qu'il te faut? Dans l'idéal, une scie, des sutures, un clamp, des antibiotiques. Mais on n'est pas dans une situation idéale. On a des couteaux, du feu. On coupait en cautérise. L'infection la tuerait. Fais-moi une liste. J'irai à l'hôpital chercher ce qu'il faut. C'est un jour de route. Je m'en fous! C'est pas le problème, Abby. Elle pourra pas tenir aussi longtemps. Et si je t'y amenais en 2 heures? L'hôpital des Wolves, c'est ça? À l'ouest? Comment? On a des passerelles. On les construit pour éviter les zones inondées et... vous évitez, vous. Elle peut tenir 2 heures? Peut-être, oui. Alors fais une liste. Attends, t'es sérieuse? Les Scars utilisent ces passerelles. Ils n'envoient que des petites équipes. Des petites équipes, tu vois? C'est pas une blague. Lève. Puisse-t-elle te guider? Puisse-t-elle te protéger? Abby. Abby. Quoi? Attends. T'as piqué mes clés? D.
Désolée. Je peux te parler. Vas-y. Pourquoi tu fais ça? Elle s'est pointée sans prévenir. Ok. Elle sait pas pour hier soir. On s'en fout d'hier soir. Toi, peut-être. Laquelle? Bon. Tes amis sont des wolves aussi? Ouais. On a de la chance que Mel ait été là. C'est un des meilleurs chirurgiens de Seattle. Mel. Comment il s'appelle, lui? Je peux plus changer de d'arme, c'est normal. Owen. Ami. Et la chienne, c'est Alice. J'aime pas les chiens. Attends, le jeu est en train de bugger. Comment on fait pour atteindre les grands immeubles? La passerelle est là-bas. Ah, ça y est. Le chemin est là, en divers centaines. Oh, grands immeubles, comme tu dis. Tu te sens capable de nous guider après ça? La route, elle part du bord des rapides. Conduis-nous là-bas et je prends la route. Allez, let's go, mon ami. Ça permet vraiment de franchir les rapides? Ouais. Tous les rapides? Ouais. En quelques heures seulement. Je mens pas. Ok. L'arbalète. Daryl n'a qu'à bien se tenir. Bon. Je te suis, Lev, je te suis. Il y a du chemin, sa mère. Qu'est-ce qui se passera si on récupère pas le matériel pour ton ami? Eh ben, il faudra qu'elle essaie de l'opérer avec ce qu'Owen a sous la main. Ce serait pas l'idéal. Si on récupère le matos, ouais, elle a de bonnes chances. Donc on va amputer un bras, ça va être génial. Tu savais que nos chiens savaient jouer aux cartes aussi? J'ai 13 ans, pas 8. T'as la taille d'un gamin de 8 ans. Et les gens te trouvent drôle d'habitude? Non. C'est quoi le syndrome des loges? C'est quand trop de pression s'accumule dans tes muscles. Le sang circule plus correctement dans les tissus. Tissu? Un genre de peau à l'intérieur du corps. Comment tu sais tout ça? J'ai grandi entouré de médecins. Attention, Dev! Pardon. Le gars il pète un pot. Ouais, bah vas-y, on bouge. Hein. On vient de où, nous? On vient de là. Ouais. Allez, let's go! Ouais, on va bien jouer avec l'équilibre hein, parce que hein. Une minute.
même pas vu. Cool. Merci beaucoup. Je t'ai même pas vu passer, par où t'es passé là? Je casse tout moi. Alors qu'est-ce qu'on a là? Ok. Je pouvais pas passer. Je pouvais sauter comme ça là? Ah ouais, je croyais que c'était pas possible. Ah ouais. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Attends, je sais pas où je vais en fait en vrai. Voilà, t'as rien ici. Ok. Essayons de voir si on peut grimper là-haut. T'es déjà allé sur ces passerelles, pas vrai? Ouais. Tu crois qu'on va croiser beaucoup de Scar? Séraphite. J'en sais rien. Si on en croise, tu pourras gérer. Hier, j'ai géré. Ouais, mais ces types te pourchassaient. Ils nous pourchassent tous. Ouais, d'ailleurs, leur histoire, eux, ça va être quoi, Yara et Lev? Pourquoi vous êtes enfui les loulous, les petits loulous? Oh là là, cette verdure et tout là partout, c'est tellement... C'est beau, c'est beau. Sauvez-moi par pitié, envoyez-moi n'importe qui, un wolf, un serviteur, je m'en fous, je ferai que... Aidez-moi si je me trouve bon, ok, allez, c'est bon. Pas la passer la porte là. Fais gaffe au bout de terre. Attends, on doit aller dans cet immeuble là, hein, c'est ça. Putain, encore du chemin. Hein. On saute là, là. On saute là, là. Oh, ouais. Oh merde. T'avais une flèche dans le vide là. C'est pas grave, je la récupère. Tu vas bien? Ça va. T'es sûr? Je te dis que ça va. C'est vrai que quand j'y pense, j'ai des flèches. Mais c'est pas les flèches qui vont dans mon arbalète. Je crois pas. Si? Si si, ok, non j'ai rien. Bon, on saute pas, on fait pas le con. Bon, on approche de ton immeuble. Enfin, c'est encore loin quand même. De l'autre côté, on peut pas signer. Allez, c'est parti! Va falloir qu'on fasse quelques détours. Ça fait combien de temps que vous vous êtes enfui? 2 jours. Et vous comptiez aller où? Je sais pas, on voulait juste partir. Alors tu vas finir par me dire pourquoi ils en ont appris vous? Je te l'ai dit. Ils veulent la peau d'un gamin juste parce qu'il s'est rasé le crâne. J'avais pas le droit. C'est la règle. J'ai désobéi. Eh ben, pourquoi tu l'as fait alors? Je sais pas. C'est ton petit côté punk. Punk? J'ai l'impression que tu te fiches pas mal des règles. Ah, j'imagine, ouais. Le code, c'est notre numéro d'appartement, ok. C'est quoi le numéro de leur appart? Bon, on regardera après, du coup.
Comme quoi, en fait, faut lire les trucs, hein, parce que des fois, c'est fourbe quand même. Comme le coup du numéro gagnant, je sais toujours pas ce que c'est le numéro gagnant. Combien 4 coups? Non, je garde ma barre de fer. Y'a qu'une batte, y'a rien d'autre là. Ça, on prend mon pote. Ah mince, j'ai pas fait exprès. Est-ce qu'on l'améliore? Allez, on l'améliore, allez. Donc le numéro d'appart c'est... ...302, très bien. Faire ça. Non. Je vais vérifier le code. Bah comment je fais 302 mon pote? Comme ça. Là ça fait 3 et 302. On va relire la note hein. Il manque quelque chose. Échange entre voisins. Moi c'est je... On veut James le... Alors je laisse notre porte ouverte et quelques heures dans notre coffre. Le code c'est notre numéro d'appartement. Puis le vôtre. Ah ok, puis le vôtre. Prenez tout et sauvez-vous ça. Le nôtre puis le vôtre, ok. Donc c'est 302 quelque chose. Donc le leur, c'est du voisinage, donc ça doit être en face. 302 et 301, on va dire ça. On va dire ça. On va dire ça, mon ami. Donc 302, donc 30. Non, 302 et 301. Donc 23. 01. Normalement c'est ça. Hein. J'ai mal lu la note. Vas-y, retourne-moi ça, c'est quoi? Le code c'est notre numéro d'appartement, puis le vôtre. Prenez tout. Bah ouais. Mais les voisins là c'est le... Leur numéro c'est 301. 302 et 304. On va dire 302 et 304 alors. Donc 30. 302 et 304. Donc 30, 23. 04. Yes. Ok. Ah ouais, je les kiffe hein, les... Oh quoi que, peut-être refaire une bombe. On en a plus beaucoup. Je vais plus en faire deux, excellent. Allez, let's go baby. Depuis longtemps? De mon arc? Depuis toujours. T'es plutôt doué. Tu devrais voir Yara. Ouais, il me fait ça. Les gens sont parfois cruels. Ma mère disait pareil.
au sujet des wolves. Oh, elle avait pas tort. J'ai peur pour elle. Pourquoi ? Ils vont s'en prendre à elle à cause de moi. Tu passes à... C'est possible, mais tu passes à... Il y a un puant aussi. Comment on va faire? Est-ce que la part va faire ça? Mais tu m'as bloqué, gros. Tu m'as bloqué. Non, je suis pas d'accord. Je peux pas ouvrir la porte là, tranquille. Je peux pas faire autrement. Hein. Je peux pas être silencieux là, c'est pas possible. Ah, je peux peut-être monter. Toi, grosse merde. Dégage. En vrai, je pouvais pas faire autrement, si. Enfin, je vois pas. Tu vas bien? Ouais. Combien de séraphites? Pourquoi? Comme ça. Je sais pas. Putain, la giclette. Oh, punaise. C'est trop bien fait. Ok. Mais je pense pas que je pouvais faire autrement en vrai, à moins que je pète un carreau, enfin que je bute le mec au... Enfin, voilà, je bute le mec au carreau et je rentre en deux spies, je vois pas ce que je peux faire d'autre, enfin, à moins que je pouvais monter au-dessus là. Mais je sais pas, j'ai un doute. Bon, écoute, on va tracer. Mais là c'est fermé. Est super fort par ici. Faut vraiment que tu fasses gaffe, d'accord? J'ai déjà fait ce moment. Il est efficace le petit pistolet de chasse là. Mais des grosses balles. Hein. Nous on était là-bas de base, je crois, non? Je sais plus. On s'approche de l'immeuble. Et ouais, attends, il m'a bloqué l'œuf tout à l'heure, je suis dégoûté. Bon, ça sert à rien d'y aller.
Fais chier. C'est qui? Je sais pas. C'est pas un wolf? On est des milliers, je te signale. Tu les connais tous, les Scars? Arrête de nous appeler les Scars. Ouais. Ah, mais Scar, peut-être pour Scarificateur, non? Le fait qu'ils ont les... Des... Comment ça s'appelle? Bah, des scarifications sur les joues, tout simplement. Attends, qu'est-ce que je peux ajouter? J'ai pas vu. Stabilité. Ouah, wow, stabilité, en vrai, ça va. Je sais pas quoi améliorer. C'est quoi pour mettre une lunette? Si c'est ça, j'en veux pas. Encore améliorer mon gun, autant l'améliorer. Qu'est-ce qu'on peut faire? Compenseur pour réduire son recul. Recul ou la cadence de tir? Vas-y, cadence de tir. Allez, soyons fous. Allez, j'ai plus que 25 minutes devant moi là. Dès qu'on peut, je stopperai quand même. Parce qu'après, c'est un balverg là. Hop. Ça pue. Alors des ennemis, c'est obligé. Hein? T'es sûr que c'est le bon chemin? Ouais. Cet immeuble va nous conduire à celui qui est juste à côté. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut améliorer? Vas-y, on va faire ça. Ah, je crois que c'était pour rajouter une balle, mais non, pas du tout, j'ai mal compris. Deux secondes. Toi, tu sais pas que je fouille, toi. Tu sais pas, toi. Voilà, clairement, on va appeler ça la promenade. Le nom de l'épisode, ce sera quoi? La promenade. Parce qu'en vrai, y a pas eu grand chose. Hein. Ou alors, on appelle ça opération amputation. On peut l'appeler comme ça. On peut l'appeler comme ça, c'est rigolo. Opération amputation. Tu te fous de moi, là? Tu m'étonnes que t'arrives à passer tranquille. Oui, le chemin est plus court. Ouais, ouais. Saute comme un petit Ouistiti là. Tu sais, les petits Ouistiti des fois qu'on voit qui sont trop rapides, trop agiles là. Il nous fait ça, lève. Tu t'es pris pour un singe ou quoi? T'es fou ou quoi? Eh, moi j'ai l'agilité d'une je sais pas quoi là, d'une vache. Oui, en mode agile comme un singe. Arrête. Attends. On va encore monter longtemps. Tout va bien se passer. Ça veut dire oui. Effectivement, ils font des passerelles. Ouais, ils ont leur délire à eux aussi, hein.
même temps. Comment tu veux voyager, sinon? À travers les immeubles. Dreamer! C'est pas si dur que ça! Ouais, ouais. Ah, Freemer, elle a dit, ok, j'ai pas compris. J'ai compris, démarre, alors c'est pour ça. Ouah, problème. Ok, la trêve, c'est ça la trêve. Bon, on va peut-être appeler ça opération amputation, ça peut être rigolo. Par là. Comment on a pu rater ça? Les wolves lèvent jamais les yeux. Qu'est-ce que tu veux dire? Vous avez beau être nombreux et avoir plein d'armes, on trouve toujours le moyen de vous échapper. Tu devrais peut-être arrêter de dire on. Je te rappelle qu'ils essaient de te tuer. Ça fait Stylax. Le fidèle. Félini. Très bien. J'aurais dû rester où t'étais, Lily. Lily? Sur ta gauche! Je l'avais entendu! T'inquiète, je l'avais entendu. Je l'avais entendu, t'inquiète. La confiance qu'ils ont, c'est abusé. Ça me fait tellement peur. Ça, ça s'est jamais apparu dans un jeu, hein. Ils arrivent comme ça sur toi, quoi. Faudrait que je vise les genoux et tout, histoire de les... leur faire mal. Oui, qu'est-ce qui se passe que... Oui. Je vais t'aider. C'est bon. Tu veux. T'as entendu comment ils m'ont appelé? Ouais. Lily. Tu veux pas me poser de questions? Est-ce que tu veux que je te pose des questions? Oh, c'est une fille en fait, Lev. Ok. D'accord, Lev, c'est une fille peut-être. Pas un petit garçon. D'accord. Ok. D'accord, ok. Quoi? Vous savez, tu... Minecraft, qu'est-ce qui est... On vient de où? Là-bas, hein? Ouais. Ouais, pas de munitions, les potes? Que dalle? Ok, buona notte. Buona notte. Vas-y. Il me reste 15 minutes. Wow. Oula. Encore un sale délire. C'est les Scars qui ont construit ça? Les Séraphites. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est plutôt cool. Ça veut dire quoi, cool? C'est comme impressionnant. Génial, quoi. Je me demande si votre prophétesse savait ce qu'elle allait déclencher. Elle a sauvé des dizaines de personnes, et personne ne peut expliquer comment elle a fait. Elle a explosé des camions et tué des soldats. La voilà ton explication. Est-ce que t'as lu ses écrits, au moins? Quelques-uns. T'apprendrais beaucoup de choses. C'est ça.
Ouais. Tu dois avoir un établi quelque part. Ben voilà. Il y en a un là. Ben voilà. Bon là, normalement, on a pas mal. Ah, je veux dire, j'ai pas le mal ramassé en fait. Non, j'ai rien. Pratiquement. Ok. Quoi, recule. Allez, vas-y. Allez, le gun. Je sais pas si du coup ce gun là je vais pas l'avoir à fond. Je sais pas. Je pense pas, je sais plus. On sait pas. Non, je crois qu'il me reste une compétence à faire dessus. Oh, attends, je peux peut-être faire ça. Là j'ai vu. Ah non, merde. Okay. C'est l'ascenseur ? Non. Je croyais que c'était un ascenseur. Ah, trophée et les bons outils. Eh ben voilà. Elisabeth leur est reconnaissante, mais je ne pense pas qu'elle soit prête. Les anciens savent ce qu'ils font. Tout va bien se passer. Oui. Fais attention. Bien sûr. À droite. Tu veux me dire que je vais pas toucher la tête là? Lève-toi et fais chanter tes flèches. Il y en a plus menottes là. J'ai entendu courir en bas. Ok. Bien ce gun là. Il est genre très très bien quoi. Joshua! Non, lève-toi, Abby. Qu'est-ce que tu fais?
pas s'il en reste un. Je pense qu'il en reste un. Il me semble qu'il en manque un. Te voilà. Oh, je vais te finir. Oh putain, non. Merde. Non. J'avais tiré dans le genou. J'avais tiré dans le genou, regardez. Je voulais la finir, mais non. Pas comme ça que ça marche. Fallait que je sois plus près, putain. Chier, c'est Scar. Ou Séraphine, peu importe. Ouais. J'ai jamais entendu un Séraphine parler comme ça. Et bah, c'est cool les petites séquences comme ça de fight. C'est sûr, faut savoir viser, hein. Mais c'est sympa, c'est sympa. On va l'améliorer. Non, même pas, je l'ai même pas amélioré en fait. Ça, par contre celui-là il fait mal hein, le petit gain là. Bon bah écoute on se casse, je pense qu'il n'y a rien à choper. Ah. Excuse-moi, c'était dans ta tête, excuse-moi. Hop là. Des petites babales. On est bien. Oh, il me reste 10 minutes à ce. Est-ce qu'on va le faire? Bon, on va où maintenant? Attends, laisse-moi deviner. Faut grimper? Ouais. Bien vu, Lev. Que je pouvais pas le ramasser, mais si. Allez, on va faire ça. Non, après, le jeu il est vachement puissant. Carrément. Grosse dédicace à ceux qui disaient que ça allait être de la merde. Bisous à vous. Et puis qu'ils l'ont acheté, bien sûr, parce que c'est tellement de la merde qu'ils ont acheté. Un lieu de charge. Ouais. On connaît. Merde. Je peux te donner un conseil. Oh, c'est pas vrai. Essaie juste de penser au bon côté. Au bon côté. Ouais. Plus vite. T'es plus concentré. Putain. Ces sensations, les mains moites, le cœur qui s'accélère, tout ça montre en fait que tu deviens plus forte. Donc, quand t'as peur, dis-toi plutôt que ton corps est en train de se mettre en condition. C'est en étant faible qu'on peut trouver notre véritable force. D'accord. Ok. Ça, ta prophétesse. Ouais. Je croyais que vous étiez contre l'électricité et tous les trucs démoniaques de l'ancien monde. On fait quelques exceptions. Surtout quand c'est pour les soldats. Ben voyons. Ah, c'est une note, je me demandais, mais merde, qu'est-ce qu'il y a, le mur, il veut me donner quelque chose ? La trêve est terminée, ils ont attaqué à de nos groupes, nous devons entrer en force, blablabla. Battez-vous. Donc, tu continues à aimer ta prophétesse alors que ses adeptes essaient de te tuer en son nom? Elle n'aurait jamais voulu ça. Il n'y a aucune violence dans ses écrits. Tu devrais dire ça à tes potes. C'est seulement après sa mort que la prédication et la pendaison ont commencé.
Ah, elle est morte, ok. Ah, ok, elle est morte, d'accord, ok. Je pensais que c'était quelqu'un qu'on allait rencontrer ou quoi, mais. Apparemment, non. Bon, bah écoute. Ça souffle par ici. Oh là, je vais devoir utiliser l'équilibre. On y va doucement. Je crois qu'on va rigoler, hein. Je sais pas si je vais y arriver. C'est plus facile que ça en a l'air. Easy. Les gens passent souvent par là? Ouais. Tu mens. Non, c'est vrai. Enfin, c'est pas le chemin le plus emprunté. Oh putain. Évite juste de regarder en bas. Bordel. Bon, je vais pas regarder en bas, j'arrête de regarder en bas. Comment tu te sens? Je peux te dire que je l'attends, ma véritable force. Ça coule. C'est cool. Ça coule. Non, rien. Entre toi et ton ami Owen? C'est pas vrai, Lev, tu crois que c'est le moment? C'est juste que c'était tendu entre vous. Avance! Oh, Dieu merci. J'ai réussi! Allez, bien! On peut prendre le temps de s'extasier devant mon exploit? Pas encore. Pourquoi? Pourquoi? Tu vas voir. Ah, c'est pas fini. Oh putain, Lev! Tout va bien se passer. Regarde-moi. Putain. Oh merde. Putain. C'est étonnant que je sois pas tombé. Comment tu fais pour pas avoir peur? Il me parle pas de la prophétesse. J'ai jamais eu peur du vide. T'as peur de quoi alors? De l'océan, des chiens. Ok. Oh, c'est pas vrai. En vrai, ça doit bien être flippant, quoi. En vrai. Non, non. Ça fait fiel à sauter, j'ai rien fait. J'étais en train de gérer mon équilibre, elle a sauté. Elle a sauté, putain, nops. Attends, est-ce qu'on peut se lever déjà, non? Ok. Mais j'allais doucement, j'étais en train de gérer l'équilibre et tout. Gauche, ouais. Je suis en train de faire exactement la même chose que j'ai fait avant. Comment elle a sauté? J'ai rien fait. Oh le délire. Tu es presque. Ok. Ok. Bon, par contre, j'espère que dès qu'on allez, a le matos, on refait pas tout ça parce que ça va être long. Non! Ah voilà, ce que j'ai l'air là, c'est pas moi là. Elle va dire là, ouais, celle-là c'est pas moi. Arrêtez. Bon, il me reste 5 minutes. Tu
es prête? Donne-moi juste une seconde, s'il te plaît. D'accord. Ok. C'est bon. Bon bah écoutez, je sais pas. Je vais m'arrêter là. Comment ça? C'est le bon immeuble, mais j'étais encore jamais venue par ici. La passerelle conduit à l'arrière de l'immeuble. C'est la première fois que je viens là. Ok, bon. Essayons de trouver le moyen de descendre. On s'arrête ici pour cet épisode. On va continuer tranquillement. Donc l'opération amputation, et ben... On est dans cette opération putation, mais on n'a pas eu le ce qu'il faut quoi, le matos quoi, tu vois. Donc on va aller le chercher plus tard, c'est pas grave. Bref, je vous dis à la prochaine pour la suite du Let's Play sur The Last of Us Part 2. On continue avec Lev et Abby. Et voilà, tout simplement. À bientôt, je vous dis. À bientôt, tout simplement. Allez, ciao, peace.